Non mais ça y est, voilà, tu dis ça, et puis après dans tes vidéos, ils vont tous dire oui, mais Alex, super. Est-ce que quelqu'un, je répète, porte bien la moustache? Eh, le petit Kevin, là. Non, comment il s'appelait le gosse, là, admiratif de Monsieur Pringles? Ah, c'est vrai, je l'ai oublié, lui. À mon avis, on le verra pas, hein, vu que c'est mon histoire. La grande fournaise est béante. Ah, bon sang. Nous avons été marqués au fer brûlant de la gloire. Nos âmes flamboieront telles des chamans... Des chamallows ardents. Laissez-leur un peu de temps, monsieur. Je crois qu'ils en ont besoin. Ils vont vite être à court de métaphores sur le feu. Ah là là. Les flammes impures doivent être éteintes. Ah, on sent déjà une petite hésitation maintenant, hein. Autant pour moi. Ah ouais, c'est vraiment tout feu, tout flamme. C'est ça, c'est ça. Monter à bord du train secret à temps. D'accord. Ça veut dire faut les battre dans un temps imparti. Oui, c'est l'idée, mais parce que quand tu parles de train secret, moi je parle... je parle d'un truc secret, quoi. Oui, mais on va aller au 9¾. Ah oui. Est-ce que tu es un véritable sorcier, Kenny? Quoi? Il y a marqué full play sur des posters. Ah, c'est vrai. Pour leur propre publicité. Je te jure. J'espère qu'ils ont les droits pour faire leur propre publicité. Pourquoi il n'y a pas marqué nudisme? Il devrait y avoir marqué nudisme. Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas qu'à toi de faire un mode, hein. Aïe 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 aïe. Défi en cours, veuillez patienter. Ah! Mais pourquoi c'est pas en glissant, lui? C'est son droit. Alors je sais pas. Non, je sais pas si c'était un bug, mais chez moi il y a un gars qui s'est barré en glissant. Ah, peut-être que c'en est un que j'ai expédié en l'air et tu l'as vu en bas. Je sais pas, mais Georges Clooney, il est barré, enfin il s'est barré tout à droite de l'écran. Depuis non, à droite, tour, nous regarderons la ville s'embraser. Ah oui. Il a un gros martel, lui. J'avoue. Tous brûleront, sauf les élus. Exemple typique de la mentalité des porteurs de robes. Rien n'est jamais leur problème. C'est sexiste, ça, monsieur. Alors que, avec des bretelles... On serait pas là. Donc là, vous insinuez, monsieur Pringles, que l'homme ne pourrait pas porter de robe. C'est ce qu'il dit depuis le début. Hein. C'est Pringles qui n'a jamais été au Moyen-Orient. Hein. Ah, je te jure. Et pourtant, on a été en Égypte dans le premier chapitre, on aurait pu voir des hommes habillés en robe. Hein. Inconcevable. 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 Mais je pense que petit à petit, il devient démoniaque. De qui, Pringles? Ouais. Ah, c'est possible! Il était prêt à sacrifier des innocents. Aïe aïe aïe! Montez à bord du train secret en 3 minutes, donc ça c'est fait. Ah, merveilleux. C'est vrai que je me sens très dans un train secret. C'est ça. Ah, ah, il est barré celui-là! Eh oui, c'est secret! Waouh! Incroyable! Tu dis pas qu'on a pris ce train, c'est secret! Oui, monsieur Pringles. Je me souviens pas que c'était un arrêt de la Northern Line, monsieur. Secret que je te dis. D'accord. Alors, je sais pas ce que c'est dérangé à Capuche Manigance, mais ça manque certainement d'ambition. Mais tout à fait. Où croyez-vous que cela mène, ce chemin qui n'existe pas? À une destination secrète. D'accord. Vers notre destination finale, monsieur Scorpion. Mais destination finale secrète. Sans l'ombre d'un doute. Destination finale. Coffret DVD. Ah ah! La version bleue ou 4K? La version bleue ou 4K? La version bleue ou 4K? Il y en a eu combien? Il y en a eu 6? Alors moi j'en connais que 5. 5? 5, ouais. Ok. Pas pour 5. Après ça se trouve il y a eu un 6ème, mais je suis pas au courant. Non mais au pire s'il y a eu un 6ème, il l'annule. T'as dit 5. D'accord. Non, il me semble qu'il y en a eu que 5. D'ailleurs ça fait partie de ces anthologies parce que pendant le premier confinement, mec, j'en ai tellement maté des anthologies de tout et de rien. Et c'est vrai que je me suis pas refait destination finale. Pourtant, je me suis refait des trucs, laisse tomber. Est-ce que tu t'es refait les recs? Oui, je me suis refait les recs, je me suis refait tous les Resident Evil, je me suis refait le MCU. Le dernier dans un bateau. Je me suis fait tout Tolkien, je me suis fait tout Viking, je me suis pas fait encore Games of Thrones, je me suis refait tous les sauts, je me suis refait tous les labyrinthes, tous les. Ah! Ah non, c'est pas moi. Tous les. Merde, comment s'appelle le... c'est... Oui, c'est la sonnerie de mon collège, ça. Super. Il me fatigue. Je ne sais plus. Avec l'oiseau, là, Ender Games. Ah oui.
Voilà. Ah ouais, ah, je me suis refait plein d'entos, mais... Je crois que j'ai vu que les deux premiers d'un Guardian. Ah ouais ? J'ai jamais lu le bouquin. Eh ben, j'ai les bouquins, j'ai les films, je n'ai pas fini les bouquins. Les films sont pas aussi mauvais que ce qu'on en dit, par contre, ouais, effectivement, la tournure est différente. Ok. Mais bon. Après, c'est aussi un choix de réal, quoi. Au bout d'un moment, quand tu dois caser un livre en une... Enfin, en deux heures, allez... Faut faire des choix, hein. Ah bah c'est pour ça qu'on n'a pas eu Dobby dans le deuxième Harry Potter. Hein. Ah ouais ? J'ai jamais lu les livres Harry Potter. Bah en gros, il y a un elfe de maison qui s'appelle Dobby. C'est un personnage qui a été complètement cuté de... Non, je sais qui est Dobby, mais Dobby, il apparaît plus tard. Mais il apparaît dans le deuxième bouquin, le troisième, je sais plus. D'accord. Et dans les bouquins... Enfin, dans les films, pardon, il apparaît pas à ce moment-là. Ouais, il apparaît plus tard. Parce que ça fait tout un arc en moins à balancer dans le film, quoi, c'est quelque chose. D'accord. Ouais, après, je t'ai dit, il faut pouvoir caser. Hein. Oui, bah, c'est pour ça qu'après, ils ont fait partie 1, partie 2. Après, c'est vrai que pour l'Harry Potter, on n'a jamais eu de version extended, alors que pour beaucoup de licences, ça a été le cas. Hein. Les Tolkien, Star Wars, il me semble qu'il y a eu... non, pas le MCU, le DCU. Oh d'ailleurs le DCU putain que je me suis jamais fait jusqu'à présent et depuis cette histoire de Snyder Cut là... Spider Cut. Le Snyder Cut. À vous, où est votre chef? Vous périrez dans les flammes! Encore? Ah, on se fait un barbecue c'est ça? Elles en peuvent plus hein, de toutes leurs métaphores autour du fire! Y'a vraiment pas moyen de discuter avec ces cons là. Ces gens là. Ah c'est vrai ils sont un peu étriqués. Hein. Oh. Ne parlez pas de trick, monsieur Pringles. Ne parlez pas de trick. Tu veux ma tuile? Quoi? Non. N'entends tout de même l'effort. Ah, il faut le reconnaître. Il y a de la persévérance. Ah bah là, oui. Hein. Eh mais attends, c'est moi. Les films Harry Potter, je crois qu'il y a eu un... plus de boss. Ah, bonne question. Je ne sais pas. Bah attends, parce que depuis le début, on en est déjà à deux boss. Sans compter qu'on aura forcément le troisième et dernier au moins à la fin. Mais je me demande si on n'a pas déjà eu de multiples boss. Alors si, on a déjà eu des multiples boss, mais je crois quand même que c'est là qu'on en a le plus. Hein. Ok. Une impression comme ça. Hein. Une impression là, qui te vient à l'esprit? Hein? Hein? Ouais, une petite impression. Ouais, au moins une grosse hein, maintenant. Oh, petite impression, je pense un truc éjectable, c'est trop mignon. Il essaie de fuir, mais au ralenti. C'est Spoutnik. Incroyable. Regarde-là! Regarde-là, il fuit! C'est trop mime! Alors que c'est lui qui est venu nous chercher des noises! Eh oui! J'adore! Comme Dior! J'adore! C'est vrai? Non! Ah! Nous montons, monsieur Scrambic? Oui! Après vous, Mister! Alors appuie sur le bouton! C'est ce que j'ai fait, monsieur Pringles! Bien wesh, mec! Oh, mais on est fou, rappel! Bien wesh, mec! Eh par contre on est full bonus hein. Mais oui. Autant ça combo pas les masses, autant jusque là bah. Mais ça va aller hein, mais t'as un complexe avec tes combos toi. Mais oui. Bon écoutez monsieur Pringles, quand on a une toute petite, on jure sur ce qu'on peut hein. Mais t'as un énorme bat. Non. Alors est-ce qu'on a 4? Eh mais on est bas. Enfin non, on va rien dire mais techniquement le score le plus bas qu'on ait fait jusqu'à présent dans ce chapitre, enfin dans cette partie, c'est quand même 4 étoiles. Mais j'avoue. On est bon. Regarde ça. La vie. Regarde cette perfection au masculin moustachu.